Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Et nous sommes en Bundesliga pour cette rencontre entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. Avec une rencontre que vous avez souhaité suivre sur la chaîne. Je vous ai interrogé dans la page communauté, savoir quelle rencontre vous voudriez. Et bien c'est celle-là qui est sortie en tête. Alors les deux équipes ont débuté par un match nul chacun, puisqu'on est seulement à la seconde journée de Bundesliga pour cette rencontre. Notamment le Borussia Mönchengladbach qui a tenu en échec le Bayern Munich, donc belle prestation pour cette équipe de Mönchengladbach. Alors sachez simplement que la saison 2020-2021, ces deux équipes sont classées à la 6e et 8e place du classement, donc on est quand même sur des équipes assez compétitives, évidemment qu'on voit d'ailleurs très souvent, non seulement en Ligue des Champions mais également en Europa League. Alors du côté du Bayer Leverkusen, il y a eu deux grosses arrivées qui ont été à signaler, notamment celle de Bakker qui est arrivée pour un transfert estimé à environ 10 millions d'euros du Paris Saint-Germain, et puis également le défenseur de Bruges, c'est Kossounou qui est venu renforcer cette équipe du Bayer Leverkusen. Malheureusement, je ne les vois pas là sur le terrain, alors vous savez, je ne choisis pas moi l'équipe adverse, puisque j'ai choisi d'incarner cette équipe du Borussia Mönchengladbach, et qui, je l'espère, va me donner satisfaction avec notamment Mbolo qui est en pointe. Allez, on va essayer de se concentrer, et je vous invite, j'en profite, pour vous inviter à consulter la page communauté, n'hésitez pas, il y a pas mal de petites choses, de petits sondages, et puis différentes informations en rapport évidemment avec la chaîne. Allez, ça va être parti, nous y sommes. Avec bien entendu les commentaires en allemand. Allez, on va essayer de... Mbolo, il est un petit peu esselé là, il va falloir que je retrouve un petit peu plus de personnes. Oh, c'est vachement regroupé tout ça. On va y aller tranquille parce que là... Gewinnt den Ball für sein Team zurück. Allez. Ça me déstabilise un peu cette formation. J'aurais peut-être dû mieux regarder ce qui se passait au niveau de la tactique de cette équipe de Mönchengladbach, parce que là, c'est vrai qu'on est sur une équipe coupée en deux pour moi. Clairement, le milieu de terrain est très très loin de l'attaque. On va essayer de faire avec, bien entendu, mais ça va être délicat. Mais on va tout faire. Alors, je pense que le salut vient d'écouter, clairement, il va falloir y aller. Oula, attention à ce tacle. Allez, bien récupéré, ça c'est très bien joué. Vous voyez ce que je veux dire. Là, regardez le plan, on voit un petit peu comment sont les joueurs. C'est pas top, C'est vraiment, vraiment pas top. Et puis surtout qu'on a du mal à conserver ces balles. Succession de balles perdues comme ça, là. Ça, c'est pas... C'est pas très rassurant, on va dire, pour l'issue de la rencontre. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose, parce que là, sinon, ça va être un match compliqué. Pour l'instant, ni l'une ni l'autre équipe ne se sont véritablement créées d'occasion franche. On est là sur une série de balles données à l'adversaire. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire mieux que ça. Bon, ça risque d'être un petit peu chiant. Allez. Encore une fois, une balle perdue. Récupérée. Et monsieur l'arbitre qui intervient avec une faute en faveur du Bayer Leverkusen. Allez, possession équilibrée, clairement. On ne peut pas faire plus équilibré comme match pour l'instant.
Les deux équipes sont toutes les deux pas bonnes. Attention, attention, ça donne... Ah ben non, c'est une faute pour nous, d'accord. Ah ouais, je ne pensais pas. Je ne pensais pas, c'est tellement rare ce genre de décision là. Allez, une occasion, la tête et le but. Et le but, le premier but de la rencontre. Alors là, je vous le dis, hein, je le vis pas avec une effusion de joie. Je suis pas du tout satisfait de cette rencontre pour l'instant. Alors ça va peut-être s'enflammer avec ce but, hein. J'espère en tout cas notre buteur Nbolo marque et fait le boulot pour l'instant. Alors que le défenseur du Bayern est resté complètement sur place. Hein. Le mec, il a pas fait l'effort de courir. Regardez-moi ça. On lui a mis 3 mètres dans les dents, là. Et la tête qui passe entre les bras du gardien. Et ça fait 1-0. Allez, on va essayer de proposer un jeu un peu plus sexy quand même. Parce que là, c'est pas top. Allez, on y va. Oh là là, c'est beaucoup trop loin, Allez, c'est la mi-temps. 1-0 ce score pour l'instant. Un petit peu timide, un match vraiment très timide, seulement 2 tirs dans cette rencontre avec cette équipe de Mönchengladbach qui a pris le dessus mais qui clairement n'est pas non plus étincelante, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs il y a des changements du côté du Bayer Leverkusen, et encore ce défenseur qui est complètement fraise, hein. Le mec il fait rien du tout, il fait absolument rien. Et là, par chance pour eux, pas de but là, mais c'était pas loin, le 2-0. Ah, c'était un petit peu trop excentré. Attention. Parce que là, pour le coup, c'est nous qui sommes à 15 mètres du ballon. Allez, Mbolo, qui n'a pas réussi malheureusement à la redonner. Oula, voilà, il s'est passé quoi. Il a voulu jouer avec son coéquipier, mais il l'a mise directement en sortie. Allez, Zakaria, Hermann. Mönchengladbach hat am Ende des ersten Durchganges getroffen. 1-0 der Spielstand. Flanke Abschluss. Oh là 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 là, mais quel tir. Mais quel tir absolument incroyable, hein. Le tir était inimaginable, vraiment. Alors là, c'est l'arbitre qui a dû intervenir, je pense. Cette équipe a le don de m'endormir là pour cette rencontre. Vraiment. Oh là 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 là, ça c'est vraiment très 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 mal joué. Très mal joué. On a failli leur donner une occasion là. Oh là là. Sowieso nichts mehr zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren.
Allez, ça passe, ça passe, ça passe. On va revenir un petit peu. Le tacle qui semble correct. Et ça va partir. Et c'est contre. Ça, ça serait bien joué. Allez, encore 10 minutes à jouer. 10 minutes à tenir dans cette rencontre pour le moins pénible. Clairement, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je ne me sens pas. Je suis pas du tout dans la sensation du match là, hein, clairement. Allez, on peut essayer peut-être faire quelque chose ici. Eh bien non, toujours pas. Allez, bientôt la fin de la souffrance. Avec peut-être une petite victoire à la clé. Leverkusen qui n'a pas fait une action aboutie. On a été juste un petit peu moins nul que, on va dire. Peut-être, attention, peut-être ici, et bien même pas, même pas. Allez, monsieur arbitre, délivre-nous, merci, merci. Ouh là là, un match pitoyable, hein, clairement. Je suis désolé pour la qualité de cette rencontre. Alors, autant il y en a certaines qui sont très intéressantes, autant il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. Et celle-là fait clairement partie des moins. Dans tous les cas, victoire quand même, 51% de possession. Nous sommes la seule équipe à avoir tiré avec 4 tirs, dont 2 cadrés, hein. Et c'était pas fameux, avec Mbolo qui a été élu homme du match et tout le monde est à 6-5. Il y a quand même un 7 avec Lehner. Écoutez, voilà, c'est comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite rencontre quand même. N'hésitez pas à liker et puis à consulter la page communauté également, hein, pour voir un petit peu les différentes choses que je vous propose. Et évidemment, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.